Comment ça va? Comment ça va? Bon, en tout cas, vu que vous me demandez, moi ça va, hein, je suis un peu dans les vapes, hein, pour être honnête. Non mais ça va super, hein, genre une nouvelle journée qui commence, nouvel vlog, on est mercredi. Putain, mais on voit jamais quoi. Ah, le beau Zeb est là. Aujourd'hui, on fait pas grand chose pour être honnête, parce que je dois rattraper tout le montage. Déjà hier, j'ai posté le truc à minuit, ça m'a pris un temps fou. Le temps que je fasse celui-là d'hier, là où j'étais à la plage, j'espère que vous l'avez déjà kiffé, parce que si je... Ouais. Non mais aujourd'hui pas grand chose. On va sortir le tableau. L'ardoise la plus rentable, gros. Moi je lis dans mon ardoise des missions, des faits et gestes. Il y a marqué tout simplement Camp Nou. Soum Club. Ah mais je sais pas si vous voyez vous en travers ou... Merde. Il y a marqué Camp Nou. Parce que oui, il faut que j'achète des places au Camp Nou, hein. En tant que supporter du FC Barcelone, je me dois d'aller au stade. Avec un pote, on va y aller, on va chill un peu. On va regarder les places là ensemble. Après, on fait le montage et on va faire la cuisine ensemble, surtout. Nouvelle chose. De voir que là, il y a beaucoup de trucs pourris. Du coup, on va essayer de faire un truc clean. On va regarder des vidéos de TikTok. On va essayer de regarder des vidéos de TikTok. Histoire de les copier, hein, ces saloperies là. Ça a l'air tellement bon ce qu'ils font. On va faire un truc assez simple. Et on va se foutre ça, tu vois. Pas grand chose aujourd'hui. Pas grand chose pour être honnête. J'espère ne pas vous décevoir. Je vous vois derrière la cam. Ne me regardez pas comme ça. Hein? Une journée, là je vais faire genre. Je vais me taper 5 heures de montage, imagine là. Et après, monter cette vidéo. Je pense que je vais arrêter YouTube. Les gars, j'arrête YouTube. T'es choqué gros, c'est pour faire le montage, il y a un mec qui s'est introduit chez moi. Le jeu de Mario, un jeu de le filmer gros. Allez, y'a ça. Y'a ça? Allez. C'est qui lui? Non mais c'est qui lui gros qui... Ce vieux moustachu là, mais je rêve ou quoi gros? Ah. Putain, j'aurais dû m'en douter. Il est venu piquer mes idées. Parce que YouTube, ça marche, mais de ouf. Je suis un peu sur le déclin en ce moment. Depuis le vlog, là, je suis un peu sur le déclin. Hein. Comme j'ai dit, j'arrête YouTube bientôt. Hein. C'est quoi, comme ça. Que vous faites de merde. Mais attention, mais c'est qui cet homme, là? Qu'est-ce qu'il veut faire? J'ai même pas regardé, il m'a volé peut-être. Hein. Faudrait que je fasse une enquête. Hein. Merde. Ah là 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 là. On est de retour les gars, le montage. Ah, c'est long, j'étais pas préparé ça en tant que... Dans ma carrière de youtubeur, je n'avais pas prévu ça, le montage. Je me permets pas de comment dire, de enjoy un peu plus mes tournages là. Putain, toute la journée, je suis là devant mon PC, je suis un bouffeur de cartes graphiques, quoi. Merde. Ah mais il faut. Comme ça que ça marche, hein, le game. Je vais te dire, si on a envie de dépasser, comme je l'ai dit auparavant, Inoxtag et Mix, mes principales concurrents, et bah, faut passer par là. Mais aussi, ce que je voulais vous faire là, parce que bon, là, j'ai pris une petite pause, je me suis bouffé une petite orange parce qu'on avait dit qu'on veut une transformation diète un peu, tu vois. Pour une orange m'a suffi. Photo à l'appui. J'étais posé là-bas, chill. Bah là, on va aller voir ce que donne ma vidéo là que j'ai sorti là, le vlog, là, le premier vlog. Moi, je suis un homme qui aime bien ma communauté. Je suis proche de ma communauté, j'ai envie de lire les commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour m'aider, tout ça. On est sur du 39 vues il y a 17 heures. Ah putain, les vues! Ah, j'y suis pas quand même là. Mais on a quand même pas mal de commentaires. Hein. On a déjà Antoine. Hein. Antoine qui. Revenons sur les commentaires d'Antoine. Attendez. Antoine qui est venu commenter déjà la première vidéo. Rarement vu un contenu aussi intéressant déjà. C'est si bien exécuté et monté que j'avais l'impression de voyager avec vous. De plus, il faut le dire, les blagues sont de qualité, bien que les guests ne le soient pas. Kenax et Mousse. Allez. PS, je n'ai pas encore vu la vidéo, tu vois. Il me tend, mec, je voulais en venir. Il tend, ce mec. Et là, dans l'autre vidéo, hop, dans celle que je viens de sortir, on va voir Antoine. Sinon, banger le son 9 minutes 44, bah, je vous le mets maintenant. C'est un classique. Oh, il est fou, il est complètement fou. Je n'osais pas le dire, mais l'état du bidon... Ah, bien écu, énorme. Je suis énorme. C'est horrible. Faut que je fasse un truc, bah, d'où l'orange. Pierre Fortier, je me délègue de ce contenu quotidien. Attention tout de même. Au burn-out avec ce rythme effréné épaisse, moyen la blague sur la commune asiate. Ouais, c'est vrai que le burn-out, il peut arriver à tout moment parce que je suis un travailleur à plein temps. Une folie de travail en fait. Ouais. Non mais ouais, la blague sur les asiates. À toute la communauté chinoise, je n'ai rien contre. Chinois, je...
J'adore ça. J'adore leur boucle, j'adore tout. C'est une simple blague. Hein. Mais je comprends, Pierre. Et je m'en excuse. Je m'en excuse. Un cœur à tous mes Shinto Kepa préférés. Je rigole. J'ai entendu un son à moi d'oreiller à la fin du kiff continue. On va faire une. Oh, ça fait plaisir. Oh, il a, mec. C'est un régal, ce type. Hein. J'adore, j'adore Yann. Et c'est vrai que si tu regardes cette vidéo, le son, j'avais mis en story une fois et j'avais trop kiffé. Du coup, je l'ai mis là. Il est pour toi, ce son. Hâte de suivre ton aventure, mon ref. Continue à t'exprimer toujours au top dans l'espace commentaire. Je l'adore. Un maximum de pouces bleus pour cet homme. Et il faut que j'arrête de faire ça. Mon frère, encore des bonnes barres de rire. Hâte de voir la suite. Alors, on like. Enzo SD, pas Enzo. C'est Enzo, bienvenue. Oh. Un très grand moment de cinéma avec un très grand Mizu qui m'inspire tous les jours pour ne rien faire. Oh là là, Enzo, mais c'est déjà un classique ce que tu vas me dire. Déjà un classique. Je t'adore, Enzo. T'es au top. Bonjour, Zeb. Un grand merci pour ce petit moment passé dans ta vidéo. Je t'en remercie. Concernant la vidéo, j'ai fortement apprécié. Et je serai là de manière quotidienne pour suivre les vlogs. Bye. Et là, on reconnaît dans son bail que c'est Vigotoki. Que de l'amour, que de l'amour. Et Kenzo, encore une fois, tu nous régales avec ces 13 minutes 14 de vidéo. Merci de nous faire profiter de ces... Le padre qui appelle, oh. Il attendra, il attendra. Ne faites pas ça chez vous, répondez au téléphone, c'est juste que ma caméra n'a plus trop de batterie, il faut que je me dépêche. Mais on m'a reproché, parce que c'est mes amis ça, hein, j'ai une commu, c'est mes amis, de, comment dire, on me reproche mes fautes d'orthographe, c'est vrai que c'est horrible en fait. Et même je suis allé sur Riverso, je mets les trucs et tout, les conneries, et je continue à faire des fautes d'orthographe, genre dis-toi le mec. Mais je ferai une vidéo spécialement par rapport à ça. Parce que c'est pas drôle. Bon, moi je finis tout ça, je continue tout ça, ça va être très saccadé au niveau du temps. Mais on se retrouve ce soir en cuisine. Fais ça les gars, allez on fait ça. Ouais. On se retrouve. Hein. On se retrouve en cuisine déjà. Hein. Comment on se retrouve avant de dire ça? Récapitulons un peu. Récapitulons le bazar. Aujourd'hui, c'était très compliqué. Oh, j'ai enchaîné les trucs, la merde là, que je produis. Putain, le montage, oui, le montage. J'ai le Camp Nou. Grâce au montage, maintenant je sais que c'est à l'endroit ça. Camp Nou. J'ai chié, gros, j'ai pas pris mes places, je l'apprendrai plus tard, je suis désolé, je vous montrerai quand même. Montage, oui, on l'a fait, j'espère que la vidéo vous plaira, bien sûr. Hein. Cuisine, et c'est ce qu'on va faire, cuisine. Vous dites, oh, mais Nolan, ça va, tranquille, t'as eu le temps de faire des autres choses, je sais pas quoi. Si vous voyez, minuit 45, gros, j'ai fini à minuit, frère, le montage, gros. J'en peux plus, frère. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite recette TikTok que j'ai vue là qui a l'air de plaire un peu. J'ai dit aujourd'hui, pff, chill, on essaie de chill là un maximum parce que là, j'enchaîne les Doliprane, j'en peux plus gros. J'ai l'impression d'être un joueur de jeux vidéo. Je deviens une daube absolue. J'ai rien contre eux, je n'ai rien contre les nerfs. Attention, je n'ai jamais dit ça. Peut-être un peu. On passe en cuisine? Allez. Venez avec moi en cuisine. Je vous mets le TikTok en même temps que je serai à manger, comme ça vous pourrez voir ce que je fais. On fait ça? Allez, cuisine. C'est parti. On va regretter le TikTok là, histoire de. Ça a l'air vachement bon quand même. Hein. Ta gueule, gros. 30-50 minutes, gros. Bon, les gars, on se retrouve en cuisine. Attends, je me coupe une petite tranche, les gars. On rappelle que j'ai pas bouffé la journée. J'ai un peu faim. J'ai déjà sorti tous les trucs au préalable. Hop, on a nos patates. On a. Bon, ça, je me suis dit, une échalote dans le four, ça peut être pas mal, tu vois. Parce que je pense j'aurais encore faim en tant que gros gourmand. Parce que bon, de base, on est au régime. Mais là, les patates qu'on va se foutre. On n'est pas au régime du tout. Parce que je comptais aller au grec demain. Je suis un mytho, moi. Ouais, on va se faire ça quand même. Bon, allez, je vais couper tout ça et je vous montre. Ce que j'ai produit. Dites-moi, ouais, dites-moi dans les commentaires ou par message, parce que là on est à un stade où les abonnés c'est mes potes quoi. Ce que vous voulez que je fasse, voilà, ça peut être cool, tu vois. Déjà cette semaine était très très fatigante, hein. Fatigant, mon gars. Non mais c'est très très fatigant. Je pense que les prochaines fois, peut-être alterner. Ok. Une vidéo, genre une semaine où on fait. On fait quoi déjà? Oui, on fait une semaine, on fait genre tous les jours, on fait comme là, on fait daily vlog, sauf que je m'organise un peu mieux, ce serait pas mal. Après, c'est un début, hein.
Et ben on fera 2 vlogs par semaine. Je pense que c'est bien histoire de me renouveler, de faire des miniatures. Essayer et tenter des miniatures. Je crois que je sais même pas comment on fout une miniature. Gros, je fais des screenshots moi. On va te chercher quand même sur un oignon. Il y a un bouton qui est là, celui-là, gros. Oh là là, les larmes. Putain, savoir que. C'est pas cool ça, c'est pas cool du tout. Faut savoir que l'oignon est une des seules personnes qui m'a fait pleurer dans ma vie. Je lui en dois bien une, je lui en dois bien une. C'est fort parce que moi je ne pleure jamais car je suis un homme. Je suis plus qu'un homme, je suis même un cyborg. Je suis fatigué, gros, j'ai de la merde, gros. Un Autobots. Putain. Attention avec le couteau, les jeunes. Mec, j'ai bouffé à 2h du mat, mec, ça me casse les couilles. Putain. Encore un coup de l'oignon. Encore un coup de l'oignon. Ça vient de l'oignon, ça. Et bah, ça donne ça. Une bonne tablée pour moi. Bonne patate. On prend nos baguettes chinoises. Oui, super Zeb. T'es au top, là. Du coup, elle nous a dit accordéon. Accordéon, ça se fait comme ça. Et normalement, les gars... Accordé... Ça marche pas, gros. Non ? Un peu déçu. Bon, ça fonctionne, mais peu, quoi. Je suis déçu. Bon, j'ai fini ça, ça m'a pris 15 minutes pour un truc que j'ai l'impression d'avoir raté. Allez, je vous montre un peu ce que j'ai fait. Oh putain, ça a l'air horrible. Mais non, mais faut pas l'imaginer comme ça. Ouais, non ? Ouais, ça fait une laise un peu. Ta mère aussi. Ta gueule ! Et décolle-toi, jeune ! T'es choqué, gros, la patate ! Spider-Man. Transition sauce. Bah je vous montre un peu ça et ça a l'air bien bon finalement, gros. J'ai pas fait que de la merde. Oh là, forcément, ça pue la cantine. De mon setup, ça a l'air pas mal du tout. On attend 30 minutes, on va bouffer vers 2h du mat, un peu plus. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de faire la vaisselle pour être honnête. Je pense que là on est assez propre. Oui, bah moi ça me paraît propre. Allez. A tout à l'heure, et bonne dégustation peut-être. Elle a l'air bien bon cette merde, attends, tu rigoles ou quoi? Guette la gueule. Ouais, putain, c'est du grand art. Écoute. Ça ronronne, gros. Bah écoutez, le ragoût est prêt, on va s'installer et on va goûter ça. Les amis, nous voilà. C'est notre chef-d'œuvre. Je sais plus à quelle heure on a commencé, mais il est 2h10. Avec moi, mes collègues, mon Sunny, tous les jours, tout le temps. Sunny, si vous voyez cette vidéo, si vous êtes intéressé par moi, n'hésitez pas, on fait une collab. Super, Sunny. Passons à la dégustation. Finissons-en. Ah, la bonne franquette, hein. Bonne texture. Bonne odeur. Ta gueule, gros mec. Bah, c'est top, hein. Un peu de sauce, quand même, là. Peut-être un peu trop fait chauffer. Attends, on va goûter les oignons. Mec, les oignons, c'est encore mieux, gros. Je vous jure que ça donne plus de goût. Les deux en même temps. Laisse tomber, gros. On va faire petite tartine, gros. Merde. Je vais trop parler, gros. Et tu connais. Je m'étouffe, Ah, c'est super. Mais avec du Sony, c'est mieux. N'hésitez pas, hein. Avec ketchup, qu'est-ce que ça donne? Je suis prêt à me battre, hein. Comment elle s'appelle? Je veux son nom. Chunky Cooker. Je sais que t'as besoin de pub en ce moment. Et moi, j'ai une commu très active. Donc, si je peux te faire de la pub, t'es qu'à 56 000 abonnés. Bon, Chunky, super que t'as fait, gros. Super. Vous me dites, moi, je vais manger. Et ben, on se dit à demain, surtout. Hein. Demain, je prépare, comme d'habitude, l'émission. Et on va essayer de se lever tôt, là, un peu plus tôt, pour faire le montage. T'auront pas comme ça, frère. Bon, les gars, passez une bonne nuit, parce que vu l'heure qu'il est, vous êtes sûrement dans le bedroom. Une chose à vous dire. Salut. You look lonely. You look